Madame, messieurs, bonjour, bonsoir, mes journal créole télépacifique, mes titios, bienvenue. Opinion yo partagée sous participation Premier ministre Ariel Henry dans sommet américain. Plusieurs militants droit monde déclaré sommet à pas porté aucun résultat positif pour pays alors que gen l'autre qui était coin. C'est une opportunité pour messieurs Henry exposer divers problèmes pays a fait face. Diverses organisations dans la société civile là envisagé manifester 8 juin devant local ambassade pays la France dans pays d'Haïti sous champ de masse pour condamner complicité communauté internationale là dans mauvaise situation pays a fait face depuis quelque temps. Responsable organisation non gouvernementale Catholic Relief Services CRS ak Patnelio lancé mardi projet on continuer à prendre cap dirait 5 l'année pour plus passer 21 millions de dollars américains. Et puis l'autre bord de l'eau, dans le pays Mali, militaire a déclaré, c'est dans des ans il a prémettre civil au pouvoir. Chef yo qui c'est colonel Assimi Goïta, déjà signé un décret non sans ça. Madame Messina, tout n'est pas nous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Développement titio, Madame Messier, représentant plusieurs organisations droit monde critiqué Premier ministre Ariel Henry, qui a participé dans la 9e assemblée chef l'État avec gouvernement non-américain aux États-Unis. Chef gouvernement déplacé particulièrement avec ancien ministre Santé publique, avec population MSPP Florence Duperval Guillaume. Militant droit monde Maurice Noël, estimé délégation haïtienne, non, pas pour défendre intérêt pays à vraiment, mais intérêt étranger à travers corps groupe là. Avocat déclaré yo envisager organiser yon sit-in 8 juin devant local ambassade pays la France en Haïti sous champ de masse là pour dénoncer responsabilité communauté internationale là dans mauvaise situation pays a fait face depuis quelque temps et qui vient plus grave dernier jour ça yo. Maurice Noël tenant micro Jose Philippe François. Elle a constaté Ariel pour qu'on parle pas légal. Là prenons l'autre mafia accompagné, qui c'est Madame Duperval, Guillaume. Tout le monde connaît qui passait presque tout mandat matériel comme ministre de la Santé publique. Et nous gagnons, dans la plainte que nous déposons, nous gagnons Madame Duperval, Guillaume, comme monde qui crasait plusieurs milliards dans l'argent pétro-caribé. Et c'est normal. En réalité, dit que la continuer testament Jovenel Moïse. Eh bien, nous, ça qui a passé aujourd'hui, PHTK, c'est lui qui a tout portionné même. Oui, c'est lui qui a tout portionné même. Regardez l'histoire qui s'est passée. Non, la douane, non. Ils ont viré, jusqu'à date, pas jamais un éclaircissement de cabaye. Tout journaliste a constaté. Aujourd'hui, madame, ça, c'est lui qui a Ariel à la veille. Pour la représenter Haïti comme candidat pour OMS, OPMS. Maintenant, nous-mêmes, population, tout le monde était bois croisé, il a regardé, tout dit ça va, tout va marcher bien. Oui, on volait que tu as dû ma côte, qui t'a dû débarrer, mais je dis à nous avions, ensemble avec ton autre présumé assassin qui est derrière là. Sous Bopal, Marc-Antoine Maisonneuve déclaré qu'il y a une grosse tête chargée à cause d'insécurité, particulièrement avec le kidnapping qui passe suspendu dans le pays. Avocat dit la pire l'idée de manifestation 8 juin devant local ambassade pays la France. Là. Marc-Antoine Maisonneuve, toujours dans le micro, Yosh Rizil avec Joseph-Philippe François. Par là, nous disons clairement que nous doutons très fort que ce monsieur-là, Muscadet, est effectivement étudier le droit. Dernièrement là, le mercredi 1er juin 2022, on s'était retrouvé devant l'ambassade des États-Unis d'Amérique, l'ambu pour nous continuer à faire passer ces messages-là. Pour nous continuer à rafraîchir mémoire, Frenak Senyo, que ce soit en Haïti ou à l'étranger, pour nous faire comprendre que tout kidnapping, toute insécurité, tout massacre, tout assassinat, tout crime financier, je ne dis pas, qui a produit dans le pays d'Haïti, c'est l'ambassade Sayou qui en sont malheureusement responsables. Que la bataille
contre l'ingérence du corps gros. La bataille contre la méchanceté des criminels du PHTK se poursuit. Bataille après à poursuivre. Et c'est comme ça, mercredi 8 juin 2022, là, après demain, EMNA va camper encore une fois dans le cadre de Stine, devant l'ambassade de France. Société civile là, Wilbert Saint-Fort était quoi, sommet américain, c'est une bonne opportunité pour le gouvernement haïtien exposer divers problèmes pays a fait face d'après lui, délégation haïtienne. Ou est insisté sur l'insécurité à l'autre facteur qui l'a gagné pays à non-instabilité. En écoutant, nous avons une interview dans le téléphone avec Aubert Charles. Le sommet des Amériques, là, qui s'allie, c'est une activité, c'est un événement qui réunit tout pays en Amérique. Là. Les Amériques, là, et y compris Caraïbes. Là. Ils ont invité quelques pays dans les Caraïbes. Là. Li fait un objectif pour réunir tous les chefs d'État, chefs d'État yo, et chefs de gouvernement yo, sous, autour d'une table pour résoudre et poser des problèmes que le continent a fait face et puis pour regarder qui j'ai eu à résoudre li ensemble. Et puis, pendant le déroulement du sommet, ça, et puis, en 2005, il a choisi d'inviter la société civile parce que nous connaissons la société civile, là, lycée, représente le cinquième pouvoir, il y a les trois pouvoirs de l'État, et puis il y a la presse qui est considérée comme quatrième pouvoir, et puis il y a le cinquième pouvoir, qui est la société civile, qui est en force de pression, qui c'est le cinquième pouvoir, il a choisi d'inviter la société civile. De l'autre bord, Wilbert Saint-Fort parlait des dialogues avec l'autre pays qui est important dans l'idée pour expliquer la situation dans le pays. Il rappelait plusieurs pays considérés Haïti comme une menace dans la région. Puis loin, Wilbert Saint-Fort souhaitait pour Ariel Henry Chita parler avec tout acteur pour résoudre la crise globale pays. Prend bon Jean Mézi pour rétablir un climat la paix dans l'idée pour capable d'avoir une élection pour permettre le pays à fonctionner normalement. En écoutez, une fois encore. Seulement constater que tout président qui participe et invité dans ce sommet, c'est des présidents et élus. C'est ça, la démocratie là, parce que d'abord, le sommet a fait sous démocratie, a fait sous corruption et tout ça. C'est-à-dire, c'est des gens qui élus, tout ça, c'est des gens qui gagnent, ça a l'institution à fonctionner là. Et deuxième, je voulais dire, Ariel, tout, c'est mon sommet qui a fait sous la démocratie, Joe Biden, il n'a pas invité Haïti. Son alerte, son message de Bao, il n'a pas invité Haïti. Je pense que c'est le bon moment pour même le sommet, ça, pour, c'est vrai, et Ariel, hier, il rencontre. Entre Luis Almagro, qui est secrétaire général OEA, Organisation des États américains, tout ça. Mais c'est bon moment pour Ariel, elle rentrer dans le pays pour lui dégager, faire institution fonctionner. Faire institution fonctionner, je veux dire qui ça. C'est soit élection ou soit quitter pouvoir. Moi, sur moi, j'aime vous la pas qu'à dire ça, vous le faites. Mais c'est faire institution fonctionner parce que institution fonctionner, pas gagner conseil électoral, pas gagner par exemple, qui connaît qu'il va gagner l'élection et nous connaissons meilleure façon pour renouveler personnel politique, tout ça. C'est pour renouveler mon institution, c'est à travers les élections, tout ça. C'est deuxième malgré tout, c'est assurer que les pays aient une sécurité là-dedans. Parce qu'il y a des pays qui n'ont pas besoin même de chiter à parler ensemble. Parce que sommet, ça sont à tout. Sont possibles pour gagner un peu de coopération qui fait. Parce que, imagine, nous pouvons rencontrer plus qu'une dizaine de chefs de l'État dans sommet. Et il est possible pour y avoir des coopérations qui fait. Mais ça qui est sûr, c'est qu'il y a plus fort pays, ça va pas coopérer ensemble avec un président qui, bon, pas besoin président, avec un gouvernement qui n'est pas élu démocratiquement, qui seulement gagne un premier ministre en tête, qui pratiquement pas vraiment contre cela fait, qui a improvisé dans tout un pays, parce que, et après presque c'est tweet qui a dirigé le pays. Responsable organisation non gouvernementale Catholic Relief Services, CRS, lancé mardi, projet. On continue à apprendre qui joue un financement lié par l'Agence américaine pour le développement international, USAID, une initiative qui joue ainsi pour le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, MENF, Université Notre-Dame et puis Commission épiscopale pour l'éducation catholique. Dans l'occasion, directeur CRS là, en Haïti, Lawen Gomini, déclaré projet ça doit renforcer la capacité élèves et enseignants, particulièrement l'école communautaire. On écoute le micro et Stravinsky Diramo. En tant que partenaire, CRS veut s'associer au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour améliorer la qualité de l'éducation offerte aux enfants haïtiens.
C'est un honneur pour moi, en tant que représentant résident par intérim, de vous accueillir au lancement du projet Continuité de l'apprentissage, financé par le gouvernement américain. C'est souscrit avec conviction à ce projet qui a pour grande ambition de renforcer une culture qui promet l'amour de l'apprentissage tout au long du cycle en posant les bases très tôt. Aussi, je saisis l'occasion pour féliciter le travail déjà accompli pour arriver jusqu'ici. Et je veux vous remercier en tant qu'acteur et partie prenante pour votre participation, votre implication, vous tous qui êtes engagés et dévoués au service des populations les plus vulnérables. En continuant à coordonner nos efforts, nous maximiserons nos performances dans une perspective de résultats, impact significatif et durable. Encore une fois, je vous remercie pour votre présence à cet événement. On est ensemble pour la réussite de ce projet. Soubopal, coordonnatrice technique projet à Marie-Nélie Gentillon, précisé projet 25 500 moun sorti première année pour arriver dans la quatrième année fondamentale dans 170 l'école dans 5 départements PIA. Il y a un budget 21 600 000 dollars. Projet a duré 5 ans de 2022 à 2026. On écoute Marie-Nélie Gentillon, toujours dans le micro, et Stravinsky Deramo. Les partenaires qui vont exécuter ce projet sont le CRS qui est le porteur de ce projet. Nous aurons aussi UND, l'Université Notre-Dame d'Indiana, la Conférence épiscopale des écoles catholiques, l'USAID et le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle. Ce projet cible 25 500 enfants de la première à la quatrième année dans 170 écoles, et ces 170 écoles seront reparties dans 5 départements géographiques du pays, le sud, la Grand'Anse, l'ouest, le nord, le nord-est, mais ce seront surtout des écoles qui auparavant avaient participé dans les projets de littératie financés par USAID, soit à travers IT Reads, LAC Reads ou bien IT Wins. Et ces écoles seront les principales bénéficiaires de ce projet Continuité de l'apprentissage. C'est pourquoi on l'a appelé Continuité de l'apprentissage. Ce n'est pas un nouveau projet, mais c'est un projet qui vient en continuité des projets qui ont été préalablement exécutés dans ce pays. L'un des critères pour qu'une école puisse participer à ce projet, c'est que cette école n'a pas d'autres projets USAID implémentés dans l'école. Et puis l'autre bout de l'eau, Madame Messier, dans le pays Mali, militaire ou déclaré, c'est dans 2 ans, il y a prémettre civil au pouvoir. Chef yo qui c'est colonel Assimi Goïta, déjà signé un décret non sensila. Communauté économique État Afrique l'Ouest yo, CDAO, t'a demandé pour militaire yo t'a publié un calendrier. Depuis 2012, le pays Mali a fait face à une grosse crise sécuritaire, politique et humanitaire. CDAO, pas de suspendre, demandé. Panzouissio mettait en bout notre transition, mais c'est dans le mois mars 2024 militaire prévoit remettre pouvoir by civilio. C'est entre 12 et 16 mois CDAO t'est recommandé pour transition en durée. Colonel Yo t'est prend pouvoir par la force dans le mois d'août 2020, côté Yo t'est promette Yo Patap Kembil. Madame, messieurs, Info Pacifique Boot, nous invitons à rester branché Télépacifique pour cette programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.